Alors les amis, il est à peu près, oui, 9h56, on a à peu près 50 minutes de route et on va, les enfants, on va où? Spirou. On va à Spirou. Parc, ce qui est vraiment super, c'est qu'en fait les boutiques, les librairies, les restaurants, ce sont des reproductions exactes des commerces qu'on peut voir dans la BD de Spirou. Le parc fait en tout 4 hectares, il a été ouvert le 14 juin et le parc projette dans les 2 ans à venir de doubler voire tripler sa taille. Alors il est midi et demi, on a commencé un petit peu à faire quelques attractions. Alors qu'est-ce que tu en penses, mon cœur? Ben, honnêtement, je trouve que le parc est très agréable. Et pour des enfants donc de 6 à 12 ans, je trouve que les attractions sont super. Et pour les gens comme moi qui ont un peu le vertige... Tu t'amuses? Je m'amuse aussi beaucoup parce que le parc est très propre, très aéré. Les couleurs sont très agréables, le personnel est très souriant et les attractions sont à sensation raisonnable pour les personnes plus, qui ont un peu le vertige. Il n'y a pas vraiment, on s'amuse, on n'étouffe pas quoi. Voilà. On n'atteint pas souvent au niveau des Et des si vous regardez finalement par rapport au prix de l'entrée, comme vous pouvez tout faire à volonté et sans attendre, c'est plus que rentable je trouve en cette période. Allez, on va manger et on continue. Aujourd'hui, je suis au parc Spirou. Vous m'avez manqué, je suis content de vous retrouver parce que vous m'avez énormément manqué. Mais alors, à un point, je vous dis pas. Alors c'était l'attraction Spirou Racing, c'était vraiment excellent. Il n'y a pas de looping mais quand même les sensations sont là. Hein. Ça t'a plu ou pas? D'accord. Alors là on va faire l'attraction Gaston Lagaffe, c'est un simulateur 3D avec 8 personnes simultanément. Et en fait on va visiter les bureaux de Spirou, ben, version Gaston Lagaffe. Oh, elles sont belles les voitures hein. Ah, elles sont magnifiques hein. L'attraction Gaston Lagaffe. Très très bien.
super, on s'est régalé. Simulateur 3D, franchement, c'était super bien fait graphiquement, c'était magnifique. Ah oui, génial. Et on sent bien, on a bien les sensations. On recevait de l'eau, de l'air. Ça bougeait sur Vérin. Ouais. Non, excellent. Franchement, excellent. À refaire pour l'entier. Ouais. Les enfants veulent le refaire d'ailleurs. Allez. Est-ce que tu es prête, Victoria? Oui. Alors c'est parti. Alors cette petite journée se termine en beauté, hein, franchement. Qu'est-ce que tu en penses? On s'est régalé. Alors sincèrement, c'est vraiment un super parc pour les familles. Si vous êtes parents, vous avez des enfants en bas âge, ils vont passer une super journée. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ça vient tout juste d'ouvrir, c'est ouvert le 14 juin. Il y a encore beaucoup de projets. Donc franchement, foncez, vous ne le regretterez pas. On vous dit à très vite. Allez, salut les amis, ciao ciao. Au revoir.